Hello, hello tout le monde, bienvenue, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc nous sommes vendredi matin. Je fais cette vidéo pour vous partager mes petites pépites, mes merveilles que j'ai trouvées donc chez Nose et Action. Alors chez Nose, je suis tombée sur une série Gorgeous. Enfin, ils sont arrivés vers chez nous et je suis trop contente. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il y avait eu un arrivage. Je n'ai pas pu me déplacer, mais voilà. Hier, donc, nous étions jeudi et j'ai été faire mon petit tour et voilà, je suis tombée dessus et je suis extrêmement heureuse, vraiment. Par contre, il n'y avait pas les tout petits, c'était que les grands, mais bon, voilà. J'ai envie de vous dire, ils étaient bienvenus aussi, donc je suis contente et heureuse de vous partager aussi ce haul. Donc, écoutez, on va commencer par Action. Action, il y a aussi des nouveautés, donc je vais vous partager là, maintenant. Allez, c'est parti, je vous montre tout. Alors donc, pour commencer, chez Action, je me suis pris donc les planches de stickers. Déjà, le premier, voilà, il est juste magnifique. Vraiment, il est trop trop beau, j'adore. En plus, c'est embossé, c'est très très joli. Donc, vous avez donc deux sets de planches comme ceci. Voilà. Avec ses arcs-en-ciel, les petits chats, trop chou, les petits cœurs, ça tombe très bien là. With love, just love, très joli, ils sont magnifiques, regardez ça. Et de ce côté, voilà, très très joli. Alors avec le bloc, vous savez que je vous avais présenté là avec les arcs-en-ciel et tout ça. Donc bien sûr, pour le coup, j'en ai pris un deuxième. Donc je vais pas vous le feuilleter puisque vous l'avez déjà vu lors de ma vidéo précédente de mes achats. Donc celui-ci. Et j'en ai pris un deuxième, bah oui, puisque vous voyez, comme je vous avais dit, voilà, c'était sur les deux côtés. Et puis ma foi, c'est toujours difficile, voilà, de choisir le papier. Donc là, je me suis dit, non, il faut que j'en prenne un deuxième. Et donc, le voici. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris également cette planche de stickers. Voilà, sur le thème vacances. C'était très joli. Voilà. Excusez-moi. J'ai un petit peu la voix enrouée, mais ça va passer. Très joli également. Je vous montre. Sur le thème de la mer, vacances, far niente, très joli. Voilà pour celui-ci, j'adore vraiment, c'est trop trop beau. Summer, donc voilà pour ça. Et j'ai pris aussi celui-ci, voilà, sur le thème un peu gourmandise, je l'ai trouvé très joli aussi, avec cette pièce montée, très sympa. Celui-ci, j'aime beaucoup. Rapproche un peu, ça reflète encore, voilà, voilà, je vous mets comme ça au moins. Hop. Et de l'autre côté, j'adore, c'est trop beau, c'est trop mignon, avec des petites sucettes, la spatule, voilà, des macarons. Ces petites choses que j'ai aimées aussi. Et puis là, avec les passes en linge, très sympa pour venir. Voilà. J'aime bien. Voilà. Avec le petit biberon, c'est trop mignon. Alors, des fois, je prends des planches comme ça. Parce qu'il y a deux, trois voilà, stickers qui me plaît pour venir mettre dans mon album que je réalise pour mon petit-fils. Donc, Aiden. Donc voilà, pour celui-ci, il est vraiment beau. Hein. Très très joli. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc voilà, sur le thème des abeilles et tout ça pour l'été. Je trouve ça super sympa. Alors voilà, pour celui-ci qui est très très joli aussi. J'aime beaucoup. Voilà. Très sympa. En plus, j'ai pas mal de... D'ailleurs, il est juste là. Vous voyez ce petit dies comme ça, une petite abeille. Voilà. Pour faire des petites créas avec, c'est pas mal.
Et j'ai pris celui-ci également, dans les tons un petit peu chauds. Voilà, très cosy. J'adore. Il est très très beau celui-ci. Alors, hop. Je vais vous rapprocher. Non, voilà. Ouais. Je vois ça, je commence à avoir faim. Trop beau cette tasse avec en forme de cœur comme ça là. Très très joli. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-ci. Regardez le petit chat. C'est pas mignon. Ah ouais, j'adore. Il est trop beau. Et puis. Et la tablette de chocolat. Je pense à quelqu'un là. Elle se reconnaîtra si elle me regarde. Ensuite, j'ai donc pris ces encres comme ceci, donc les Inkpad. Voilà, et donc il y avait plusieurs couleurs. Donc je les ai tous pris. Vous pouvez voir aussi. Mais en soi, voilà, avec tous les encres qu'on a. Mais bon, voilà. Pour prendre ça dans mon petit sac, voilà. Ça évite de prendre mes distress quand je bosse à l'extérieur. Et je trouvais ça sympa. Donc, je viendrai... vous savez quoi, celui-là, il est ouvert. J'ai voulu faire un test avec des tampons, mais c'est pas top top avec les tampons. J'ai essayé, c'était pas... Je prends juste une feuille. Je vais vous montrer vite fait. Je vais prendre... Alors, j'ai pris ceci en mousse. Et je vais venir voir pour voir si on peut faire un petit dégradé. En prenant les deux. Vous voyez. Si je prends celui-là. Ouais. Si ça le fait. Ça le fait. Je vais peut-être prendre le plus foncé ici. Je vais essayer de mélanger tout ça avec un qui est plus propre là, pour le coup. Oui, ça le fait. Vous voyez, ça fait un beau dégradé. Un petit chiffon. Et on va tester les deux en même temps pour voir ce que ça donne. Donc j'ai pris du papier aquarelle. C'est joli quand même, je trouve. On va mettre que du rouge pour voir un peu plus foncé. Je vais tester juste voir avec l'eau ce que ça donne. Je vais prendre un autre parce que celui-là il est propre. Voilà, pour éclaircir un peu. C'est joli. Oui, ça va bien. Vous voyez, très très joli. Mais bon, avec l'eau, pourtant c'est du papier aquarelle. C'est celui d'Action. Peluche un peu, je trouve. C'est un des nouveaux là. Et donc voilà ce que ça donne au niveau couleur. Bon, après, il faut bien travailler avec, on verra. C'est juste pour voir un petit peu voilà, le rendu de ces petits pads comme ceci, ink. Donc voilà, c'est les couleurs. Donc voilà, il y avait donc dans les tons. Bon, je ne les ai pas ouverts, mais je vous montre comme ça dans les tons violets. Voilà. Ensuite, dans les tons gris-noir. Et dans les verts.
Voilà. Et dans les bleus. Voilà. Je crois qu'il n'y en a que 5. Je ne sais pas s'il y en avait plus ou pas. Donc voilà pour ça. Et ensuite, j'ai trouvé. Il faut que j'aille les nettoyer après. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Je vais mettre ça de côté. Voilà. J'ai trouvé donc cette palette d'aquarelle dans sa petite boîte en métal. Très jolie. Et là, pour le coup, vous avez énormément de couleurs. Donc là, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, mais moi, c'est la première fois que je les vois dans mon action. Et je suis tombée dessus et j'ai trouvé ça juste topissime. Et là, vraiment, vous avez une palette. Voilà. Tout plein de couleurs. Très jolie. Donc, je vais vous l'ouvrir. Allez. Alors, comment il se présente? Donc là, vous avez 50 couleurs de base, je crois, et 20 couleurs métalliques avec donc le stylo. Donc, franchement, il y a donc 70 aquarelles. Donc, il y en a 70 en tout. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ces couleurs, mais alors... Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, comment ça se présente? Donc, voilà. Oh là là, elle est trop belle la boîte en plus. Ah ouais, ça c'est top, top, top. Et puis voilà, au moins je pourrais les glisser juste à côté. Donc après, à tester, voir comment... Je vais prendre mon stylo qui est là déjà. Je vais prendre juste... Hop, on teste vite fait hein. Ensemble. On va regarder ça. Oh, oui. Oui, je vous dis, c'est le matin. Alors... je ne sais même plus, je vois même plus l'eau où il a. On va tester, je vais prendre la feuille. Alors, je vais juste voir le rose que ça donne. Mais en général, je n'ai pas mis assez d'eau. Ça ressemble un petit peu à la même couleur. À la même couleur que j'ai des Inkpads. Oh là là. Alors, on va retester vite fait en violet. Bon là, il n'y a pas d'eau en dedans, mais c'est juste pour voir un petit peu. Ça très très joli aussi. Ah ouais, là, ça fond, les couleurs sont très jolies. Donc voilà pour je vais nettoyer mon petit pinceau après. Voilà. Bah écoutez, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Trop sympa les couleurs. Donc voilà, là vous avez donc les métalliques qui sont ici, donc vous avez les 20. Vous avez les 20 métalliques et puis là vous avez donc toutes les couleurs aquarelles qui est très jolie. Donc voilà. Donc cette partie c'est les métalliques et là vous avez donc les 50 aquarelles. Voilà. Ben écoutez, je suis bien contente. Donc bien évidemment comme je fais toujours, hein, je vous mets les prix en vidéo. Ok. J'ai du scotch. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris chez Action? Bah écoutez, je crois que c'est bon. Oui, et puis j'ai pris cette petite boîte comme ceci. Parce que
j'ai envie de vous dire, vous voyez tous ces, ces stickers comme ceci. Je les mettais dans un classeur avec des pochettes, etc. Mais voilà, mon classeur est bien rempli. Donc je me suis dit, je vais les mettre tous à l'intérieur. Et voilà, en visibilité, je trouve que c'est sympa aussi de les mettre dans ce genre de boîte comme ceci. Et venir, voilà, après, quand j'ai besoin, voilà, d'un sticker, voilà. Je trouve que ce sera plus facile pour moi. Enfin, les autres, je les laisse, bien sûr, dans le classeur. Mais là, pour le coup, voilà, comme j'en ai acheté, puis j'en ai quelques-uns aussi qui n'est pas rangé dans le classeur. Et puis, j'ai envie de dire, le classeur, il est bien fourni, donc... J'ai dit stop, je vais prendre ceci et voilà. Voilà pour ça. Et bien évidemment, hein, ceux qui me suivent, vous savez que j'affectionne ces cacahuètes chocolat. Voilà, c'est mon petit plaisir du week-end. Donc, ouais, voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà pour mes articles donc, chez Action. Et puis, nous allons passer chez Knows. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, ah ouais, franchement, la palette, elle est juste magnifique. Je la regarde encore, mais il y a tout plein de couleurs. C'est juste top, vraiment. Allez, je vais la ranger. Bah, pour le coup, je vais pas la ranger. Je vais la mettre vraiment en visu, comme ça, au moins. Je vais pouvoir m'en servir. Parce que les autres qu'on achète, enfin, que j'achète souvent, les tout petits et tout, c'est plus pour l'extérieur et tout. Et j'en avais une que je laissais ici. Mais là, pour le coup, j'ai toutes les couleurs. Et elle va rester vraiment à côté. Voilà, vous savez tout. Donc, allez, on commence. Alors, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un set de papier. Vous voyez, c'est un petit kit. Voilà, cadeau en papier. Voilà, sur le thème... gourmandise avec donc des petites étiquettes comme ceci pour 1,50€. J'ai trouvé ça sympa et il y a des petits tags. Voilà à l'intérieur comment ça se présente. Voilà, voyez, très très joli. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris ceci aussi. Donc, c'est un support en carton avec, bah, voilà, pour écrire des petites pense-bêtes, en fait. Ça rime. À 59 centimes, ah, voilà comment ça se présente. Alors, ce qui est bien dans ces, voilà, dans ce support, c'est que, vous voyez, vous avez donc ces deux petits trous. Et vous pouvez venir l'intégrer sur un album, etc. Je trouvais ça sympa. Également, pour faire, voilà, ce qu'on fait dans le scrap, hein. Je trouve ça topissime. Pour 59 centimes, franchement, ça valait le coup. Et puis, voilà, en craft. Très, hop, très sympa. Voilà. Hop. Voilà pour ça. Ensuite, donc, j'ai pris ceci. Donc, c'est une autre planche de tampon. Voilà, en mousse. Avec tout plein de sentiments aussi, pour 2,99€, de la marque Spinbinders. Voilà, très très joli aussi, vous voyez. Alors, attendez, voilà, comme ceci. Comment c'est pris ? Puis j'aimais beaucoup le bouquet aussi, donc voilà comment ça se présente, comme ceci. C'est top. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des petits tags comme ceci, en liège. Voilà. Pour 79 centimes. Ça, c'est sympa. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est pour, vous savez, pour les savons. Et l'été, j'en fais pas mal. Donc là, c'est un petit tampon comme ceci. Et marqué, donc, savon spécial. Voilà. Pour 99 centimes. Je trouvais ça sympa. Ma foi, j'ai envie de vous dire, je peux même l'utiliser avec de l'encre. Ça se trouve, ça fonctionne. Ouais. Je testerai. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. J'avais besoin de voilà un petit pinceau comme ça pour la cuisine et tout ça pour en rose, mais à voir pour autre chose. À 99 centimes. Voilà.
Ensuite, j'ai pris des choses comme ceci, des mosaïques, voilà, miroirs, autocollants, donc... Ouais, c'est ça. Pour 79 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai repris des petits tickets, vous savez, en bois, comme ceci, en rose, festonné tout autour. Très, très joli. Pour 59 centimes, donc j'en ai repris deux. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des tampons en bois, comme ceci, avec, donc, des petits cœurs. Voilà. Donc, celui-ci, La vie est belle, avec, donc... Le sentiment, la vie est belle. Donc je suis désolée pour la lumière, mais ouais, ma lumière m'a lâché. J'arrive pas à... Bon, voilà, j'espère que vous voyez bien. Pour 99 centimes, et j'ai trouvé celui-ci. Donc la fois où j'en avais pris, je suis pas tombée dessus. Et là, bah, par hasard, dans un petit bac, voilà, ils étaient seuls. Je les ai pris. Donc voilà, ensuite j'ai pris ceci. Donc c'est 6 boîtes donc en PVC, donc transparent, voilà, pour venir y glisser des petits présents pour des copinettes. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que voilà, vous voyez, c'est des petits berlingots, quoi. Voilà, des petites boîtes que vous pouvez donc plier et venir mettre tout plein de choses donc à l'intérieur. Voilà. Comme ceci, désolé pour le bruit, je le referme, voilà, à 59 centimes, donc vous en avez 6, voilà, j'en ai pris qu'un, parce que je sais que j'en ai, mais des plus longs, et je me suis dit, bon, si ça suffit pour venir, voilà, offrir et mettre tout plein de petites choses sympas, voilà, alors, je pense que là, j'ai terminé, ouais. Là, j'ai terminé. Donc là, je vais vous montrer ben, mes petites pépites, vraiment. Donc, je suis trop contente. Je range tout ça et je reviens. Alors ensuite, j'ai trouvé donc ces papiers Gorgeous. Trop beau. J'adore. C'est trop mignon. Et regardez ce qu'elle a sur la tête. Des bois. J'adore. Trop beau. Donc, voilà les papiers. Donc, vous en avez 30. Vous avez 36 papiers. Avec 18 motifs et les mesures c'est 12 pouces donc ça fait 30,5 sur 30,5, voilà, très très joli. Je vous montre comme ça ou je vous les feuillete quand même pour que, oui, je partage tout. Allez, on y va. Alors je prends ceci, donc le prix de ces papiers, de ce bloc, 5,99. Voilà. Nickel. Hop. Et l'étiquette, elle est juste top aussi, l'étiquette. Est-ce qu'on peut l'enlever? Bon, je vais laisser comme ça pour le moment. Donc, je vais vous le feuilleter. Donc là, vous avez cette partie. Voilà. Ils sont magnifiques. En plus, dans leur pochette, c'est top. Voilà. Même ça, j'ai envie de vous dire... peut venir voilà, détourer tout ça et puis se servir de ça pour ouais, sur un album, une page d'album, c'est sympa sur la couverture, voilà, sur le thème Gorgeous. Waouh, j'adore. Oh là là. Donc là c'est des écritures avec des petits paquets cadeaux comme ceci en foil. Très joli. Donc vous en avez deux à chaque fois. Regardez-moi ça. Waouh, j'adore. Ah, quand j'ai vu les cornes, enfin les cornes, les bois, je me suis dit, oh, c'est trop beau ça. Donc voilà. Et vous en avez deux toujours. Là avec les petits pingouins. Puis avec les flocons de neige. Voilà. Un, deux. Très joli. Je vais mettre là pour l'instant. Regardez ça. C'est pas beau. Ouais, sur le thème de Noël et tout ça. C'est sympa. Pour cette année, ça va être sympa pour faire les...
l'appareil. Donc vous avez des petits paquets cadeaux comme ceci, des flocons de neige, des étoiles, très jolies. Oh là là, regardez-moi ça. Pour faire de jolies cartes avec ça, c'est très très beau. Très très beau. Je vous montre de plus près. Voilà. Après, vous avez donc les sapins. Oh là là. Pourquoi ils les ont mis maintenant? C'est fou. On aurait pu s'en servir. Hein. Mais bon, c'est pas perdu en soi. Là, c'est des petits oiseaux. Les étoiles en folle et les petits anges, tout ça, c'est très joli. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est du papier. Non, c'est pas. Ah oui. C'est trop beau, j'adore. Oh mon Dieu, que c'est magnifique. Regardez ça. Un petit renne. Oh, il est trop you. Des petits bonhommes de neige. Très joli. Ah, voilà, j'en ai trois. J'en ai trois, là. Vous voyez, là, j'en ai trois. Ouais, les autres, c'était deux. Là, j'en ai trois. Bon, bah, écoutez. Parfait. Parfait, il y en a un en plus. Il est décollé. Ils se sont... Bon, là, j'en ai deux, ouais. Regardez ça. Ah. Très, très beau. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Là encore des... C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Hop. Et hop. Là, il y en a deux. Là, c'est des étoiles. Avec du foil. Voilà. Oh, avec l'ours. Oh, il est trop beau. Ah, oh, je suis fan. Ah, j'adore. J'adore les gorgeous. Et là, ma collection, elle grimpe. Ça y est, elle commence à grimper. Oh, j'adore. Les flocons. Hop, j'essaie de ranger en même temps. Voilà. Hop. Après, vous avez donc... Oh là là. C'est pas magnifique, ça. Donc, voilà. Et là, vous en avez deux. Donc, je ne sais pas s'ils me connaissent ou pas, hein, mais en tous les cas, pour les reines, j'en ai eu trois. Donc, voilà. Voilà pour donc ces feuilles. Voilà. Hop, je vais les remettre tout à l'heure dans leur petite pochette. Voilà. Je les mets là, sur mon petit coffre qui se trouve à côté. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, c'est des petites pochettes comme ceci à 2,99€. Donc, vous en avez trois. Ouais, c'est ça, trois. Regardez, c'est pas beau. Et là, vous voyez, pour le coup, ça, ça va être... Oh là là, sur le thème de l'automne, c'est trop beau. Regardez ça. C'est magnifique. J'adore, vraiment. Ah, ça c'est top. Et quand je viendrai faire voilà, mes créations avec les papiers et tout, ben, je mettrai voilà, le reste des chutes de papier dans ces petites pochettes. C'est sympa, non? Oh là là, ils sont trop beaux. Trop trop beaux. Regardez. Regardez ça. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc là, vous avez la petite pression. Et puis voilà comment ça se présente. Hein. C'est une pochette en soi. Très joli, très très beau. J'adore, j'adore, j'adore. Enfin, celui-là, il est top. J'ai pris cette petite mallette comme ceci. Voilà, et là pour le coup, j'aimerais mettre voilà aussi les blocs. Enfin, ce que je vous ai montré là juste avant, les papiers dedans. Voilà, comme ça, je mettrai tous les papiers gorgeous à l'intérieur. Donc pour le prix de 5,50€. Voilà. Donc, oups, je vais l'ouvrir.
trop joli dans les couleurs que j'affectionne en plus. Alors, avec l'élastique, donc là je regarde parce que souvent des fois, et voilà comment ça se présente. On va l'ouvrir, hop, voilà. Et là je vais pouvoir mettre mon papier à l'intérieur. Je vais voir déjà si ça s'arrange à l'intérieur. Hop, parce que je vais peut-être garder aussi la pochette, voir si ça rentre. Je teste avec vous en même temps. Hein. Voilà. Comme ça, si vous voulez trouver, vous voyez si ça rentre ou pas à l'intérieur. Alors, est-ce que ça rentre? Non, je pense pas. Je pense pas. Donc, il faudra que j'enlève donc le carton. Bon. Ah, c'est dommage, vous voyez, ça rentre pas. C'est vraiment juste. À moins que si j'écarte un petit peu... À ce niveau-là. Oh si. Oh, ça grince, désolé. Voilà, je vais pouvoir. Ouais, je peux les. Ouais. Faut forcer un tout petit peu, mais voyez. Au niveau. Non. Voyez, ça va. Voilà ce que ça donne ici. Donc en bas. Pour le coup, j'enlèverai la pochette, mais la pochette, je vais la garder quand même. Pour mettre, voilà, des papiers ou des choses autres. Voilà, je sais pas. En tous les cas, j'espère que ça... Bah non, pour le coup, ça ne va pas rentrer. Si, ça rentre normalement. On teste. Allez. Hop. Allez. Est-ce que ça rentre là-dedans? Eh ben oui. Oui, là, ça rentre, vous voyez. Donc, c'est bien fait pour mettre les papiers. Pas que non plus... voilà. Ça s'abîme à l'intérieur. Mais oui, là, ça... C'est parfait pour venir mettre mes papiers gorgeous. Ah, j'adore, c'est trop beau. Voilà. Voilà comment ça se présente. C'est sympa, non? Ouais, j'aime beaucoup en tous les cas. Voilà. Comme ça, je sais que tous mes papiers se trouvent à l'intérieur. Donc voilà pour ça. Bon, pour le coup, je vais les laisser à l'intérieur. Et puis ça, je vais mettre d'autres papiers. Voilà. Ça me fera office d'une pochette pour mettre mes petits papiers. Alors, ensuite, j'y ai pris ceci également. Donc ça, je me rappelle, j'avais vu ça dans des halls aussi, quand c'était arrivé. Puis j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils sont magnifiques. Et pour 3,99€, hein, très joli, voyez. Donc là, pareil, je l'ai laissé dedans et je vais peut-être pouvoir... alors, bon, c'est pas grave, j'ai déchiré l'étiquette, bon, c'est pas grave. On en a. J'en ai, quoi. Alors. Hop, je vais vous montrer. Ah, c'est génial. Donc là, vous avez tout plein d'aiquettes. Comme ceci, prédécoupées. Et puis, voyez, regardez. Vous pouvez... oh là là, c'est top. Bon, je ne vais pas les enlever, mais je vous montre, voilà. Comme quoi qu'on peut voilà, venir les enlever. Et... oh, c'est top. C'est top, top, top. Donc là, vous avez quoi à l'intérieur? Je regarde. Oups. Donc vous avez... Ah oui, c'est pour faire des banderoles et tout ça avec donc des petites pinces à linge comme ça pour faire ce genre de choses. Vous voyez? Très joli avec des petites pinces à linge. Il y a le fil qui va avec. C'est dommage, ils l'ont pas mis dans un petit sachet. Moi, je viendrai le mettre dans un petit sachet après. Donc on va le mettre... de côté, hop, j'aimerais ensuite les mettre dans un petit sachet. Donc voilà, regardez, qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Oh, voyez, c'est beau. Sur le thème anniversaire, eh ben je trouve ça super sympa, voyez. Après, vous venez vous-même ouais, faire la petite poupette, là. Oh là là, oh, sur le thème abeille, voyez. Trop top, avec les stickers de chez Action, c'est parfait. Très, très bien. Regardez ça, magnifique. Et puis là, vous avez donc des fanions comme ça, très joli. Voilà, vous en avez plusieurs. Regardez ça, si c'est trop. Bon, il se prédécoupe tout seul. Voilà, oh, cette couleur, qu'est-ce que c'est joli. Regardez. Trop beau, trop trop beau.
trop mignon. J'en connais une hein, qui va craquer quand elle va voir tout ça. Et je vais venir faire des petites créas avec ma chouquette aussi. Hein. Oh là, il y en a un qui s'est enlevé. Voilà. Donc, je vais remettre ça à l'intérieur. Donc, je vous ai donné le prix, oui, 3,99€. Voilà. Et pareil, je vais le mettre dans ma petite valisette. Voilà. Hop. Est-ce que ça va rentrer aussi, c'est ça? Je pense que oui. Hein. Donc, c'est en format A4. Hein, mais bon, comme c'est pré-découpé, je vais tout dire. Hein. Je vais tester quand même. Oh oui, ça va rentrer, je pense. Hop. Nickel. Nickel, nickel. Donc là, je finis cette partie. Et voilà. J'aurai mes papiers à l'intérieur. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors, venons. Voilà. Chose que j'affectionne beaucoup. Les tampons, voilà, les petits tampons en mousse comme ceci. Donc, vous avez, oui, certainement vu dans d'autres hauls. Mais bon, voilà, je partage. Voilà, j'adore. Donc, ceux-là, ils étaient à 3,50. Donc, j'ai pris celle-ci qui est juste magnifique, hein, dans les couleurs. Très jolie, avec des notes de musique et tout. Vous voyez, sur le côté-là, juste là. Très jolie. Les petites fleurs, le cœur. Voilà comment ça se présente. Voilà, je vous montre vite fait. Voilà. Avec son étiquette aussi qui est sympa. Ensuite, j'ai pris celle-ci qui est très jolie. Ils sont tous beaux. Hein. Celle-ci également. Voilà. Ensuite, ah, ma voix, elle ne veut pas revenir là. Oh là là. Donc ceux-là, je vous ai dit le prix, hein, 3,50. Hein. Donc, et par contre, vous voyez, celui-ci était à 4,50€. En soi, bon, peut-être parce qu'il y a plus de tampons, je pense. Oui, c'est ça. Donc voilà pour cela. Ensuite, j'ai pris ceux-là. Voilà. Alors, 3,50. Vous voyez, c'est. C'est étonnant quand même. Bon. Voilà. Avec la petite robe avec des petits cœurs. Trop joli. J'aime beaucoup. Et sur le thème, ouais, plage. J'adore. J'adore. Voilà, pour faire mes MCDT, ça va être sympa. Ouais. Très très joli. Par avion, trop bien. Voilà. Sur sa serviette. Donc l'appareil 3,50, ouais. Ensuite hop, j'ai pris la sirène également, voilà, très jolie, 3,50 également. Ensuite j'ai pris ceux-là, donc ceux-là ils étaient à 4,50, voilà, le pirate, le enfin, thème pirate. Et puis celle-ci également, j'adore les couleurs, très jolie. Bon, soit on n'est pas obligé de faire la même couleur, hein, mais bon, moi j'affectionne beaucoup voilà, le rose fuchsia comme ça. Donc voilà comment ça se présente au dos. Mais bon, en couleur c'est plus joli. 4,50. Et ensuite j'ai pris celle-ci à 3,50 également. Elles sont magnifiques. Hein. Ah, je suis contente. Là, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin. Et j'ai pris un set de dies aussi. Voilà. Avec ses ailes et tout. Très joli. Un peu fait, quoi. Voilà comment ça se présente, en fait, sur la photo. Alors là, pour le coup, je l'ai trouvé un peu cher, mais bon, voilà. Comme genre, j'ai pas du tout de dies gorgeous, ben je me suis dit, ben voilà. Il y en avait plein d'autres, mais bon, je me suis contentée que d'un set de dies, voilà. À 8,99€. Ouais. Donc voilà mes petits achats chinois.
que je voulais vous partager et je suis trop contente. Oh, je n'ai pas fini. Oh, j'avais pris aussi en bleu comme ça, à 59 centimes en bois. Et j'ai pris du ruban à 1,20€. Donc voilà, gorgeous, avec des petites têtes de gorgeous comme ceci. Voilà. Donc voilà pour mes petits achats. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, que ça vous aura donné aussi des petites idées futures pour voilà ce que j'ai trouvé. Donc voilà, mon haul Action et Nose est terminé. Je vous souhaite de passer une excellente journée et un très très bon week-end. Et je vous dis à très vite. Et puis j'ai hâte de commencer mes petites créations parce que là, voilà, j'ai quoi faire. Et maintenant, je vais mettre à scraper. Oui, enfin, ça y est. Non, c'est parce que, bon, vous savez tous hein, que je... Et toutes que je... Bon, je bosse et puis à côté, ben voilà. Quand je peux, ben je crée. Quand je peux pas, ben voilà. Je fais ça hors caméra parce que il y a des choses que je peux pas tout vous montrer parce que en plus comme je vous ai dit je me suis inscrite à un concours donc voilà je suis en train de faire pas mal de choses, un concours et aussi un échange avec une copinette donc voilà. Bon bah écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, bye bye.